Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue pour ce 34e numéro du magazine de l'AFDV. Alors ce mois-ci au programme, un adage, l'exceptio non adimpleti contractus, est l'un des grands arrêts de la jurisprudence administrative. Nous commenterons ensuite l'actualité contenue dans la gazette de la faculté de droit virtuel, ainsi que les illustrations de cette actualité. Et en fin de magazine, nous découvrirons le concours d'accès à une grande école, l'école de droit de Lyon. Allez, tout de suite, l'adage du mois. Exceptio non adimpleti contractus. Exception d'inexécution. Dans un contrat synalagmatique, moyen de défense de l'une des parties, qui consiste à ne pas exécuter son obligation tant que l'autre partie n'a pas exécuté la sienne. Et voici la gazette d'actualité juridique de la faculté de droit de Lyon, gazette dont vous pouvez retrouver l'intégralité sur le site de la faculté de droit virtuel à la rubrique gazette. Actualité jurisprudentielle tout d'abord, des questions fiscales et juridiques rattachées au transfert de siège social intracommunautaire, et bien c'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 novembre 2011, National Grid Indus BV. Alors effectivement, en ces temps de crise économique où la question de l'équilibre des budgets nationaux des États se pose de façon plutôt lancinante, et bien les législateurs européens tentent de suivre de très près les fluctuations de leurs matières taxables et mettent en place des impositions sujettes à contentieux. La Cour a donc examiné la licéité au regard du droit de l'Union européenne des dispositifs de taxation entourant le transfert intracommunautaire de siège social d'une entreprise. Retard de paiement, mieux vaut prévoir les intérêts. C'est la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 2 novembre 2011, au sein de laquelle elle nous explique que le taux applicable aux intérêts de retard prévu à l'article L441-6 du Code de commerce a un caractère supplétif et ne constitue pas une clause pénale susceptible d'une réduction judiciaire. Irrégularité procédurale versus validité d'un acte administratif. C'est le Conseil d'État, le 23 décembre 2011, qui s'est prononcé sur la régularité d'un acte administratif dont la procédure consultative préalable avait été entachée d'une irrégularité. Désolé, mais ton nom ne me convient pas. C'est la Cour internationale de justice, application de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995, ex-République yougoslave de Macédoine contre la Grèce, le 5 décembre 2011. Par cette décision, la CIJ rend une posture sur une affaire opposant l'ex-République yougoslave de Macédoine à l'État grec. Elle conclut que le refus par la Grèce de l'admission de l'ex-République yougoslave de Macédoine à l'OTAN constitue une violation de l'article 11, paragraphe 1 de l'accord intérimaire. Du 13 septembre 1995. Actualité législative maintenant, la double extension du plaidé coupable en matière correctionnelle, c'est la loi numéro 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, l'extension du champ d'application de la CRPC vers un élargissement des procédures pénales simplifiées. Voici pour les brèves qui n'étaient pas illustrées, je propose de rejoindre maintenant Gérald Delabre pour le reste des actualités illustrées cette fois-ci. En effet, merci Céline. Depuis maintenant quelques mois, nous avons le plaisir de retrouver chaque mois un certain nombre d'illustrations au sein de la Gazette. Et ces illustrations nous sont systématiquement proposées par les deux destinataires de la faculté de droit virtuel, Hervé Croze et Jacques Seller. Alors ce mois-ci, ils ont été particulièrement efficaces puisqu'ils ont proposé 4 illustrations, peut-être la première sur les murs qui ont des oreilles. Exact, les murs qui ont des oreilles, c'est en fait la liberté d'expression sur Facebook, la liberté d'expression des salariés avec un nouvel épisode grâce à la Cour d'appel de Douai, un arrêt donc du 16 décembre 2011. Finalement, une jurisprudence qui semblait plutôt émerger contre les salariés et là, avec cette décision, ça remet un petit peu tout en cause. Alors certains y voient déjà une avancée sur le droit à la liberté d'expression des salariés, mais sa portée fait quand même débat. Voilà, et donc c'est Jacques Seller qui illustre cette actualité où c'est finalement un mur, mais pas le mur de Facebook, c'est le vrai mur qui a des oreilles et qui nous dit « chut ». Donc voilà, en effet, écrire sur un mur Facebook finalement a des conséquences. Exact. Alors, les clubs sportifs eux aussi doivent être vigilants puisque pèse sur eux une obligation de sécurité, de prudence et de diligence. C'est la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre. Qui, au visa de l'article 1147 du Code civil, retient
la responsabilité d'une association sportive estimant, alors je cite, que celle-ci est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité. Voilà, eh bien, le poids de ces obligations pour les clubs sportifs, c'est là aussi l'illustration de Jacques Seller, où l'on voit le sportif lui-même porter de lourdes charges, celles de la sécurité, de la prudence et de la diligence, là encore. Exact. Enfin, actualité législative, eh bien, quelques subtilités sur l'attribution du nom de famille. Quelques mises au point législatives ont été faites. C'est la circulaire du 25 octobre 2011 relative à la modification des modalités d'indication des doubles noms, issue de la loi numéro 2002-304 du 4 mars 2002 dans les actes de l'état civil. Eh bien, la circulaire relative à cette modification supprime définitivement le double tiret pour imposer finalement l'espace. Voilà, alors ça a été le fruit d'une longue évolution et de nombreuses pérégrination législative sur cette question de tiret, pas tiret, double tiret. Maintenant, c'est l'espace finalement qui est préconisé et ça a suscité là aussi deux illustrations. Première illustration, celle de Jacques Seller, là encore, qui, ma foi, nous montre une jeune mariée, peut-être même que future mariée, puisque elle reprend ce qu'on a dit pour la décision concernant la Grèce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est désolé, mais ton nom ne me convient pas. Et là, c'est le nom de son futur mari. Est-ce qu'elle aurait préféré pouvoir bénéficier du tiret? Peut-être, qui sait. Et puis, une illustration d'un des principaux concernés, peut-être, en tout cas, d'après Hervé Croze, puisque dans son humour qu'on reconnaîtra bien Hervé Croze, aussi passionné de bande dessinée, là, c'est plus un personnage de dessin animé, mais c'est Oui Oui qui nous dit, eh bien, comment vais-je faire avec mon non-non? Voilà. Bien, merci beaucoup Gérald pour ces brèves illustrées. Je vous propose de le retrouver tout de suite avec le grand arrêt du mois. Souvenez-vous, nous sommes le 13 mars 1925. Ce jour-là, le Conseil d'État statue sur la requête du sieur Rodière. Ce chef de bureau de première classe au ministère des Régions libérées vivait à Cormeilles en Parisie, en Seine-et-Oise. Mais cela ne lui suffisait pas. Il souhaitait évoluer professionnellement. Et c'est sans doute ce qui l'avait amené à contester l'inscription de certains de ses collègues au tableau d'avancement pour l'année 1921. Le Conseil d'État fit droit à sa demande. Mais depuis la contestation du sieur Rodière, 4 années étaient passées. 4 années durant lesquelles le sieur Rodière n'avait pas eu l'avancement rêvé. Mais surtout, 4 années durant lesquelles la carrière de ses collègues, les sieurs Pinal, Jocquard et Pic, ceux qui avaient déjà bénéficié d'un avancement en 1921, avaient évolué. Cette évolution conduisit le ministère des Régions libérées à prendre plusieurs arrêtés en date du 8 avril 1925. Il décide que les sieurs Pinal et Jocquard, inscrits au tableau d'avancement de 1923 et 1925 pour le grade de chef de bureau de deuxième et de première classe, devaient être regardés comme maintenus au dit tableau, mais seulement pour la troisième et la deuxième classe. Il les nomme donc chefs de bureau de troisième classe à compter du 1er janvier 1923 et de deuxième classe à partir du 1er janvier 1925. Il décide également de rectifier l'ancienneté du sieur Pic comme chef de bureau 3e, 2e et 1ère classe et l'inscrit au tableau de 1925 en vue de sa promotion comme chef de bureau hors classe. Envieux, le sieur Rodière conteste ces décisions. Il saisit le Conseil d'État qui, par sa décision en date du 26 décembre 1925, pose le principe qu'à la suite de décisions prononçant l'annulation de nomination, promotion, mise à la retraite, révocation de fonctionnaire, l'administration qui, pendant toute la durée de l'instruction du pourvoi, a pu accorder des avancements successifs aux fonctionnaires irrégulièrement nommés ou a pourvu au remplacement des agents irrégulièrement privés de leurs emplois, doit pouvoir réviser la situation de ces fonctionnaires et agents pour la période qui a suivi les actes annulés. Le Conseil d'État précise de plus la méthode pour procéder à la reconstitution de la carrière des fonctionnaires, puisqu'il indique qu'il appartient à l'administration de procéder à un examen d'ensemble de la situation du personnel touché, directement ou indirectement,
par l'arrêt du Conseil d'État et de se prononcer, dans les formes régulières et sous le contrôle du dit Conseil, statuant ou contentieux, sur tout reclassement utile ou reconstituer la carrière du fonctionnaire dans les conditions où elle peut être réputée avoir dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n'avait été commise. Ce faisant, bien qu'amené à annuler les arrêtés concernant les sieurs Pic et Pinal pour vice de forme, le Conseil d'État, dans un arrêté qu'on ne saurait tenter de qualifier d'arrêt de règlement, précise les conséquences d'une annulation contentieuse en matière de fonction publique. Intéressant, non ? Allez, nous allons maintenant retrouver notre invitée Stéphanie Régnier pour parler de l'école de droit. Que cette école de droit a été créée il y a maintenant 2 ans à l'initiative du professeur Kroos pour répondre finalement à la demande de formation de futurs professionnels du droit. Alors c'est une formation suivie à distance, hein, en e-learning, et qui est ouverte à tout étudiant qui désire aborder à la fois un enseignement pratique et universitaire de la matière juridique. Alors quel est finalement le public de cette école de droit et qui peut prétendre au concours d'accès ? Alors, l'école de droit, elle est ouverte à tout étudiant ayant au moins une licence en droit et qui se destine à une profession du droit, donc à savoir avocat, notaire, juriste, magistrat ou huissier, et qui souhaite acquérir une pratique juridique. Donc, en fait, c'est ce public-là qui va pouvoir se présenter au concours. Et il faut qu'ils s'inscrivent donc, sur le portail d'inscription donc, sur le site de l'école de droit de Lyon. Et les inscriptions, elles sont ouvertes jusqu'au 2 mai. D'accord. Bon, alors, donc, un public très large, finalement, interne, externe, de niveaux quand même qui peuvent être relativement, avec des parcours aussi relativement différents. Vous le dites hein, d'une manière assez générale, l'école de droit, c'est une grande école au sein de l'université. Alors, face à cela, ça peut faire un peu peur. Hein, le terme « grande école » impressionne toujours un peu les étudiants au départ. Finalement, est-ce que c'est un concours très sélectif ? Oui, c'est un concours sélectif, hein. On est dans une grande école. Il y a 30 places qui sont ouvertes au concours. C'est peu, mais pour nous, ça nous permet en fait d'assurer un suivi personnalisé de chaque étudiant. Donc le concours, il est composé de deux phases. Une épreuve d'abord d'admissibilité, qui est composée d'un QCM et d'une dissertation qui porte sur l'ensemble du programme de la licence. Et après, une épreuve d'admission, donc, qui est un grand oral. Ce qui est attendu... pour ce concours, c'est moins en fait, des connaissances précises, mais plus une ouverture globale sur un thème donné. Ça demande quand même des capacités d'analyse et de réflexion. D'accord. Il me semble qu'il y a deux motivations principales. Donc, la première, c'est que l'école de droit elle permet de faire le lien entre, d'une part, des études universitaires qui sont perçues souvent comme trop théorique par les praticiens. Et d'autre part, ces professions réglementées auxquelles les étudiants aspirent. Concrètement, à l'école de droit, les étudiants travaillent sur des exercices tirés de la réalité avec un binôme donc, de praticiens et d'universitaires. Bon, l'autre motivation, c'est d'intégrer une grande école qui va permettre en fait, de se différencier. Chaque année, de nombreux étudiants arrivent sur le marché du travail, toujours plus nombreux par rapport au nombre de postes disponibles. Et d'avoir fait l'école de droit, c'est permettre de se démarquer, de se différencier des autres étudiants, de se valoriser aussi. Bon, donc on ne peut inciter que grand nombre voilà, à venir à l'école de droit. On rappelle peut-être les dates importantes. Le concours, c'est le 11 mai. Et il y a une réunion d'information qui est organisée le 6 mars. Donc, venez nombreux, on répondra à vos questions. Voilà. Et toutes les informations sur le site de l'école de droit. Merci à Stéphanie Régnier. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Et bien pour un nouveau numéro du magazine de l'AFDV.